Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 2 août 2017. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, que de choses sont survenues dans nos vies depuis déjà quelques mois. Ça fait quelques semaines que j'en ai pas fait. J'ai perdu l'habitude de faire des vidéos. J'en ai fait pendant 4 ans, presque quotidiennement, 3 ans. J'en ai fait en 2012, 2013, 2014... 2015 sporadiquement, 2016 un peu, et 2017, je suis pratiquement absent. En fait, je suis redevenu un citoyen privé. Parlant de citoyen privé, tenez, je vais vous raconter, j'ai vu un film hier, j'ai regardé un film. J'ai bien des choses à vous dire. Alors, je reprends mes activités quotidiennes parce qu'il se passe beaucoup de choses. Je peux vous dire tout de suite ce que je peux vous dire, c'est que Fabienne et moi avons vendu notre appartement. Ce fameux appartement où j'ai enregistré plus de 1000 vidéos dans ma bibliothèque. Bienvenue dans ma bibliothèque, nous sommes à Montréal. Et dans cette bibliothèque-là, j'y ai passé 18 ans. 18 ans à y lire, à y rêver, à y écrire. Et 18 ans de ma vie, 18 ans à y rêver, donc, vous disais-je. Et j'ai commencé lundi dernier à faire des cartons, car nous la déménageons, cette bibliothèque-là. Une partie a déjà été déménagée l'année dernière, en septembre et en octobre 2016. Et là, c'est le dur du dur de la bibliothèque qui va être déménagée dans notre nouvelle maison, qui va être également le lieu de la deuxième librairie. Parce que le plan est simple. Pour l'instant, le livre voyageur reste à Côte-des-Neiges et j'en ouvre une deuxième dans Villeray. Le 23-19, Bélanger, c'est un peu à la lisière de Rosemont et c'est à 9 minutes à pied du cinéma Beaubien. Alors, c'est un quartier, nous sommes ravis de s'y installer, Fabienne et moi. Un quartier qui nous enchante. Moi, je suis né dans le centre-sud. Je quitte le centre-sud. J'ai vécu donc dans cet appartement-là 18 ans. Et pendant que je... Parce que j'en profite aussi pour faire du ménage dans la bibliothèque. Je remballe ma bibliothèque. On aura compris que c'est un clin d'œil à Walter Benjamin qui a écrit un petit texte qui s'appelait « Je déballe ma bibliothèque ». Alors, c'est pas tout à fait la même activité entre emballer et déballer et remballé, on aura compris. Benjamin, c'est à lui qu'on doit son essai sur la reproduction industrielle où, quand une œuvre d'art est reproduite à l'infini, eh bien, elle perd de son âme, elle perd de sa singularité. Et Benjamin, qui était également un collectionneur de livres aguerris, de livres pour enfants, jugeait qu'il y avait là, dans cette reproduction, une déperdition, que l'objet devenait moins évocateur, devenait moins beau, devenait moins porteur, devenait moins énergisant. Parce que être mis en présence d'une œuvre, c'est recevoir quelque chose. C'est un don. C'est Schopenhauer, je pense, qui disait, je cite, vous savez, je cite, j'ai peu de mémoire, j'en ai de moins en moins d'ailleurs. Je n'ai de mémoire que pour les titres de livres, là-dessus, je suis assez bon. Mais pour le reste, dans ma propre vie, je deviens de plus en plus amnésique. Je suppose que cette amnésie-là est une condition du bonheur. Alors, c'est Schopenhauer qui disait, je cite de mémoire, donc j'invente du Schopenhauer, que devant une œuvre magistrale, je pense qu'il donnait pour exemple Rembrandt, eh bien, c'est de l'arrogance, c'est de la forfanterie que d'en dire quelque chose. On doit être médusé, on doit être sidéré, frappé par les astres, si vous préférez, devant la beauté d'une œuvre. Et que les œuvres, au fond, on doit être saisi par elles, et que le discours qui peut en découler, une sorte de larmes ou de suintement, ou de, une sorte de chose visqueuse, un discours visqueux, quoi, que le discours qu'on pouvait en faire nous retranchait devant le choc de la beauté. Alors, pendant que je
j'emballais ma bibliothèque et je repassais un à un. J'ai commencé par la section amérindienne, qui est composée d'environ, je dirais, 300 livres, peut-être 400 livres, parce qu'il y a d'autres livres sur la question amérindienne qui se sont disséminés un peu partout dans la bibliothèque. Alors, certains d'entre eux ont été bien lus, certains d'entre eux n'ont pas été ouverts, certains d'entre eux restent à lire, et je me revoyais parce que chaque livre dans ma bibliothèque est un fragment de ma propre vie. Alors, un entre autres de Rémi Savard, qui est un des premiers à avoir étudié au Québec la question autochtone, m'avait été offert. Alors, j'ai retrouvé la petite dédicace à Bruno, janvier 1991, déjà 26 ans. Et le livre avait un peu de poussière, en repensant aussi justement à ce concept-là de la reproduction industrielle de Benjamin, oui, les livres, tous les livres qui sont dans ma bibliothèque, pour beaucoup d'entre eux, à part certains qui sont des petits tirages, faibles tirages, sont des objets fabriqués de manière industrielle. Tous, en fait, ici, si vous regardez aussi, tous les livres pratiquement dans cette librairie ont été fabriqués de manière industrielle, mais ce qui n'est pas industriel, c'est le rassemblage. Le rassemblage, là, je vais parler de ma propre bibliothèque, l'assemblage de ma bibliothèque est organique. Elle est liée, cette bibliothèque-là, à ma propre vie. Le tissu de ma bibliothèque s'imbrique avec le tissu existentiel de ma propre existence. Alors, il y a un enchevêtrement, et la bibliothèque, telle que je la conçois, est une œuvre d'art. Les matériaux utilisés, eux, sont de provenance industrielle, mais son assemblage est organique. Alors, il y a une sorte d'hybridation entre l'organique, le vivant, et l'inanimé, le mort, la chose. Mais un livre, même non lu, je prétends qu'il a une existence autonome. C'est une autre histoire. J'ai commencé, je pense, en vous parlant d'un film que j'ai regardé hier. Ouais, quel coq à l'âne. Mais de toute façon, je vais revenir parce que j'ai l'intention de reprendre quotidiennement mes vidéos. Je suis rouillé, mais je vais retrouver le tempo, je vais retrouver le beat. Parce que j'en ressens la nécessité. Et de toute façon, je veux vous tenir au courant de ce projet-là de deuxième librairie. Parce qu'il coïncide également avec cette volonté soudaine qui est apparue dans ma vie de devenir un peu ambitieux. J'ai toujours, pour moi, l'exercice de la pensée, l'exercice de l'écriture, du travail, de la réflexion. Philosophe, explorateur de l'existence, disait Patochka. Eh bien, pour moi, ma fonction de libraire était, à défaut d'être un explorateur, une sorte de vigie, une sorte d'instance qui surveille les flux d'objets industriels et les lecteurs, les jeunes lecteurs en particulier qui fréquentent ma librairie. J'ai perdu le fil de mon idée. Enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non. C'est sûr aussi, vous savez, parler devant une webcam, je me parle à moi-même. Ce que je vois, c'est moi. Croyez-moi, c'est pas toujours très agréable que de se parler dans la glace. Par contre, ce qui est très agréable dans la glace, c'est de se faire des grimaces. Hein? Tenez, je vais vous citer un autre auteur de mémoire, Alan Watts. Hein? Vous savez, Alan Watts, ce Britannique installé aux États-Unis, me semble-t-il, au début des années 60, une figure importante de la contre-culture. Je vais aller voir si j'en ai sur les rayons. J'en ai des fois. Je reviens. Je vais aller voir.
Alors, à l'œil noir, j'en ai pas. Je pensais en avoir, j'en ai pas. Alors, à l'œil noir, cette espèce de sorcier taoïste utilisant des produits psychotropes tels que le LSD conseillait chaque matin, devant sa glace, de se faire des grimaces, de se rappeler que nous ne sommes que des clowns, que c'était important de ne jamais se prendre au sérieux. Alors, mon sentiment, en me voyant, gesticulant, faisant des gestes, expliquant, ne me souvenant plus de rien, inventant des citations, j'ai l'impression d'être un sacré clown. Mais bon, la fonction sacrée de clown, ben je la revendique. Clown libraire, voilà. Je voulais vous parler de ça, Esprit d'Europe. Ça sera demain peut-être, mais ou une autre fois, Esprit d'Europe. Autour de Miloš, Patočka et Bibo. Des auteurs d'Europe centrale qui ont connu à la fois le nazisme et après ça, cet autre fascisme, le communisme. Et qui rêvait d'une Europe qui est une âme, non pas l'Europe des marchands telle qu'elle a été conçue, créée et telle qu'elle est mis en mouvement en ce moment, l'Europe des marchands. Alors eux, ils rêvaient d'une Europe qui a le souci de l'âme. Alors déjà, Benjamin était encore là, hein? Benjamin est partout. Voilà, je vais conclure là-dessus en vous disant que j'ai éprouvé une immense nostalgie en remballant cette bibliothèque qui me sert de lieu de réflexion depuis près de 20 ans, que je me prépare à déménager. Et je me prépare également à ouvrir une deuxième librairie. Librairie qui sera animée par de très, très, très jeunes personnes. Ma future équipe est composée de jeunes qui ont à peine 20 ans et qui me parlent sans ménagement de mon désordre, de ma manière un peu étrange de gérer mes affaires. En fait, je les gère à la petite semaine. Enfin, écoutez, je vous reviens demain avec tout ça. On s'en reparle. Alors, est-ce que je vous avais parlé du film? Oui, donc, Le Cercle, un pur navet. Je vous invite à ne pas le regarder. Prévisible. Et aussi honteux, parce que, à part Emma Watson, qui semble voir ce qui se passe, tous les autres, jeunes, il n'y a que des jeunes dans ce film-là, eh bien, c'est des espèces de légumes, des espèces de zombies. C'est pas très sympathique pour la jeunesse. On imagine que les jeunes aujourd'hui ont le cerveau lavé. C'est ce que ce film sous-entend. Et il y a une séquence un peu intéressante, je vous dirais au tout début, peut-être la seule intéressante, c'est que Tom Hanks a son bureau. Et son bureau est rempli de livres anciens. Et les deux héroïnes sont subjuguées de voir tous ces livres anciens. Alors, il y a quelque chose là, peut-être c'est ce qu'on pourrait retenir, c'est que pour être vraiment, vraiment, vraiment intelligent et machiavélique, comme les Tom Hanks, eh bien, peut-être faut avoir lu des livres anciens. Ou enfin, avoir été alimenté aux sources helléno-romaines, helléno-hébraïques, aux sources chinoise aux sources philosophiques, védantiques de l'humanité, avoir retourné à la base, avoir réfléchi beaucoup, 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 avoir lu beaucoup, beaucoup de textes anciens pour essayer de donner une orientation à ce monde moderne qui s'ouvre devant nous. Alors, je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien, vous connaissez la suite, ma chaîne YouTube, la deuxième chaîne YouTube et ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte des Neiges. Et bientôt, je vais dire, le livre voyageur dans le quartier Villeray également. Le 2319 rue Bélanger. En attendant, 514-736-0999. Merci à tous et bonne journée. Vaillants esprits, esprits clownesques.